Des femmes, épisode 4, la partie 2. Donc, mon nom est Jodana, voici Tamar, Keisha, et notre co-animateur invité, Beth. Bonjour. Hello, on va tous là, il faut toujours qu'on fait un petit toast. Tout le monde, ouais. Donc, on va continuer avec le sujet, bien sûr, de la première partie. Et la question est, pourquoi les femmes pensent que les hommes ne savent pas communiquer? Donc, on va plus se concentrer à Bert, sur Bert. Qu'est-ce que lui pense de tout ça? Parce que la première partie, c'est un peu nous. Là, tu sais, je me sentais quasiment comme j'étais plus l'animatrice. Fait que là, ça va être à nous de reprendre notre job. Là, puis là, on veut savoir, toi, pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses que les femmes pensent ça? Ben, écoute, pourquoi je pense que les femmes pensent qu'on ne sait pas communiquer? Ben, réellement, il y a un problème. Les hommes ont un problème de communication déjà à la base. Okay? Déjà, c'est sûr et certain, de par la façon qu'on a été élevé, de par le fait de, qu'on ne nous a pas donné place à pouvoir exprimer nos émotions, nos sentiments, qu'un homme doit toujours rester fort, qu'un homme doit toujours ne jamais pleurer, toujours montrer toujours une certaine fermeté, un certain côté disciplinaire. Donc, ça, tout ça fait que bon, on est porté plus à se recroqueviller sur nous, et c'est ce qui fait que chez les hommes aussi, ben, le plus haut taux de suicide est chez les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes ne parlent pas, les hommes ne verbalisent pas c'est quoi qu'ils ont. Parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, ben, admettons, tu t'es fait mal, tu t'es tombé, hé, t'es un jeune homme là, ça, tu ne pleures pas. Et là, il suit tes larmes, et puis là, maintenant, ça va passer. Ouais. Et puis, sinon, il t'est arrivé quelque chose à l'école ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Mais il n'y a personne qui venait te poser de questions pour essayer de t'exprimer, de dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. Donc là, maintenant, quand tu calcules 20 ans plus tard, maintenant, tu es un homme, tu es un jeune adulte, qui essaie de s'exprimer, qui essaie de verbaliser les choses, mais qui n'a jamais appris, qui ne sait pas comment le faire et qui a toujours été un peu mis de côté, un peu... qui sont pas à l'aise aussi. Je peux pas arriver devant une femme ou devant une personne, une tierce personne, puis de parler de quelque chose, c'est intimidant. De te regarder... Moi, tu sais, qui suis vraiment une personne extravertie, qui aime ça parler beaucoup et tout, par rapport à la communication, ça risque justement un gars qui puisse être ouverti ou tu sais, qui n'a pas l'habitude de verbaliser ce qui ressort, je risque de l'intimider. Beaucoup. Il risque de me trouver comme, ok, mais elle parle trop. Au niveau du sujet de conversation, c'est pas tout le monde qui trouve des sujets de conversation rapidement. Rapidement. Je veux dire, moi, j'ai cette facilité-là de pouvoir trouver des sujets de conversation qui est facile rapidement. Mais moi, je suis beaucoup plus verbomoteur, j'ai beaucoup plus cette facilité-là. D'ailleurs, vous disiez, oh, les hommes ne communiquent pas bien. Moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, là, mais je pense que je suis l'exception. Buvons là-dessus. Buvons là-dessus. Ça n'a pas été une tâche facile. C'est quelque chose que j'ai dû me mettre à l'avant. J'ai dû prendre la parole souvent. J'ai dû m'exposer pour pouvoir apprendre à bien véhiculer mon message, apprendre à dire ce que je ressentais, apprendre à parler de mes émotions. Parce que oui, les gens me jugeaient souvent. Tu comprends? Un grand gars de 6 pieds qui va parler de ses émotions, qui va dire comment il se ressent à l'intérieur de lui. Ah, mais les gars, ils font pas ça d'habitude. Si tu vois, t'aimes pas ça, c'est ton problème à toi. Tu comprends ce que je veux dire? Présentement, j'exprime un besoin. J'ai besoin de pleurer. J'ai besoin de sentir que tu m'écoutes. J'ai besoin d'avoir cette attention-là. Ben, si t'es pas capable de me le donner, ben, c'est juste peut-être que t'es pas la bonne personne à être alentour de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu sais, c'est de rester propre à soi-même. C'est de savoir, de connaître ses propres valeurs. De se connaître soi-même aussi. Puis, de dire, écoute, là, à un certain moment donné, si, peu importe la relation dans laquelle on va vouloir être, ben, il faut discuter si on veut que l'évolution de cette,
de ce couple ou de la relation amicale que vous avez, ben, si vous voulez qu'elle évolue, ben, il faut qu'il y ait un échange, il faut qu'il y ait un partage. Puis pour ça, ben, il faut discuter, puis il faut amener certains points sur la table. Puis je pense que nous, les hommes, présentement, c'est ce qu'on doit faire, c'est de prendre place aussi. Et moi, ce que j'entends beaucoup de mes amis qui vont me dire, c'est que ben, ils n'ont pas place chez eux à pouvoir verbaliser leurs besoins. Puis est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas place chez eux, exemple, ils sont avec une femme qui est enragée? Ben, pas son temps. Moi, c'est ça les vraies affaires. Parce que souvent, c'est ce que les hommes noirs vont dire. Je préfère dire des femmes germaines. Ok. Parce que les hommes vont des fois dire, yo, ma femme est folle. Yo, elle passe son temps à crier, à s'énerver. Puis c'est ça, c'est un contrôle. Mais peut-être qu'elle aussi, la femme, elle a eu des issues, des problèmes aussi. Parce que des fois, ce que je trouve qui est fou, c'est qu'on se met dans des relations, puis on a encore tellement de choses à travailler. On va toujours travailler. Mais tu sais, les grosses choses de base, genre la communication, avant le même contrôle, tout ça, faut que tu sois capable de travailler ça avant d'être en couple. Moi, mesdames, moi, je vais vous donner un truc. Ok? Si là, vous êtes en train de parler avec votre chum, la maison, c'est ce que vous êtes le havre de paix. Ok, quand ton mari, la personne avec qui tu fais ta vie, elle rentre chez toi, elle est supposée de rentrer dans son havre de paix. Et si la personne sent que chez elle, il y a plus de chaleur chez elle, ben, elle va sortir à l'extérieur. Pourquoi? Parce que la seule chose que tu faisais, comme tu disais là, dans l'enfant, c'est écoute, cette personne-là, là, et tout le temps, la personne est en train de parler, tout le temps, la personne est en train de crier en dedans de la maison. Mais maintenant, quand je rentre en dedans de la maison, ma tête est chaude. Je ne veux pas rester en dedans de la maison. La seule fois que j'ai envie de faire, c'est de me dire courir. Oh, je vais te parler. Je l'avais dit moi-même à la première partie que c'est vrai, des fois, les femmes, on est émotionnelles. Fait que la manière qu'on délivre notre message, on peut paraître comme si on parle en pire. Par contre, ce que tu as dit tantôt, moi, je trouve que c'est un couteau à double tranchant. Parce que des fois, une femme va apporter quelque chose, une conversation vraiment normale. Elle a attendu le moment propice pour dire, écoute, B, voici ce qui se passe, whatever, ou quoi que ce soit. Puis le gars, à ce moment-là, malgré que la situation était propice, il n'était pas réceptif. Ça, c'est strike one. Deuxième fois, tu repars du sujet. La même, je t'ai parlé la dernière fois, je t'avais parlé de ça, j'aime pas quand tu allais X, Y, Z. Pas réceptif. Encore une fois, tu fais une autre tentative. À un moment donné, quand tu fais plusieurs tentatives d'aborder le même sujet avec l'homme en question, qui n'est pas réceptif justement au sentiment de la femme, tu comprends ce que je veux dire? C'est ça que des fois qui fait que ça devient problématique. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que moi, je me base sur une situation personnelle où est-ce que j'étais avec quelqu'un, puis c'était toujours le même sujet de conversation avec cette personne-là. J'avais besoin d'éclaircissement par rapport à où est-ce qu'on était rendu dans notre fréquentation. Ouais. Okay? Le gars pouvait jamais me parler clairement. Fait que moi, j'arrivais toujours avec cette conversation. Moi, je veux savoir, tu comprends, si tu veux pas qu'on aille plus loin, c'est correct, mais dis-le-moi, blablabla, etc. Mais quand c'est rendu la quatrième, cinquième, sixième fois que tu parles du même sujet puis que tu n'as pas la conversation, justement, mais c'est là que tu deviens enragé. Mais là, est-ce que tu as changé de façon de poser la question? Yeah, est-ce que tu as changé la manière, l'approche? Oui, okay? Non, mais c'est ça, parce que souvent, il y a beaucoup de femmes qui vont dire que comme ça, mais tu reviens, la même frustration, la même façon de le véhiculer de la même manière. Non, mais c'est ça l'affaire. Moi, je le dis de manière legit, là. J'ai vraiment essayé de toutes les manières possibles. J'ai même écrit des lettres, là, OK? De faire avoir la conversation avec la personne. Et dans cet exemple-là précis, c'était clairement la personne qui avait un problème de communication. Arrêtez de faire de la sidérance. Après trois fois, OK, que vous avez parlé de la situation et que la personne ne répond pas à vos attentes, ne répond pas à vos besoins. Okay. Eh bien, là, maintenant, il y a une prise de Mais tu fais quoi quand t'es genre, t'habites avec la personne, puis c'est la mère de tes enfants?
Puis qu'elle dit 10 fois qu'il faut que tu baisses le fucking bol de toilette, le siège du bol de toilette. Ben, yo, est-ce que vous allez chercher d'autres moyens dans ce temps-là? Est-ce que vous allez faire du counseling? T'as on a parlé. Est-ce qu'on va avoir un coach de vie? Quelqu'un qui va venir t'expliquer, regarde, peut-être que vous avez besoin de ça, ça, ça dans votre couple. Oui. Ça, c'est autre chose, parce que là, tu habites avec quelqu'un, ça va ton enfant. Mais quand c'est une personne comme ça, une fréquentation, ou, exemple, ça va faire 5 ans, puis là, t'expliques la même affaire, ben, c'est vrai ce qu'il dit. Puis avant qu'on était plus jeune, on a tendance à vouloir parce que l'espoir fait vivre. Oui. Mais là, on est comme, oh, il va changer, oh, il va parler, oui, il va me le dire, il va. Mais là, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, puis quand tu réalise que ça change pas, yo, t'es crush. Parce que là, tu viens de perdre 10 ans de ta vie. C'est quoi ta valeur? Exact. C'est quoi ta valeur? C'est quoi tu mérites, toi? Là, en tant que personne, tu t'es posé la question trois fois, t'es pas capable de me répondre, maintenant je vais passer à autre chose parce que je t'ai posé la question et j'ai pas de réponse. Ouais. Ouais, t'as des issues à régler. Tu dois aller apprendre à communiquer. Tu sais, des fois aussi, il faut pas avoir peur de partir en guerre. Ok? Pourquoi? Parce que des fois, la guerre, c'est ça qui va résoudre le problème. Il faut aller dans la confrontation. Et les gens, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur de dire, oh, Jordana a un trop gros caractère. Quand je vais lui dire ça, oh, là, il va le prendre comme ça. Mais que Jordana a un gros caractère ou pas, ben, un fait est un fait. Si je t'amène un fait, Jordana va être capable de comprendre le fait. Et peut-être que ça va augmenter un peu dans l'intensité, mais il ne faut pas avoir peur de cette intensité. Exactement. De cette intensité. Ça peut peut-être amener que j'ai un certain respect aussi. Exactement. Parce que ça arrive, tu sais que j'ai un gros caractère, tu viens me dire l'affaire. Moi, je peux être énervé. Allez, pourquoi tu viens me dire? Mais. Une personne, logiquement, quand tu vieillis, quand ça joue, si tu vas prendre 2 secondes pour dire, la personne a quand même pris 2 minutes pour venir dire ça. Aussi, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a dans la manière d'amener une discussion. Okay? Mmh. Lorsque vous allez parler avec quelqu'un, pour pas que la personne se sente pointée du doigt. Bon, parler au jeu. Bon. Oui. Ok, je me sens comme ça dans telle situation. Mmh. Je me sens comme ça dans telle situation. Ça fait tellement toute la différence. Ça va favoriser l'écoute de la personne qui est devant vous. Parce que si vous allez en pointant la personne, automatiquement, elle vient en mode boxeur. Elle vient en mode, je me protège parce que tu es en train de me critiquer. Tu es en train de me dire que ce que je fais, c'est pas bien. C'est pas ça. Toi, tu veux dire ton ressenti par rapport à la situation. Après ça, tu remets à la personne. Moi, je te dis comment je me sentais par rapport à la situation. Si tu veux mon bien-être, ben, tu vas changer cette situation-là. Ouais. Tu comprends? Oui, tant qu'à toujours pointer du doigt, tant qu'à toujours être dans « c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça, c'est toi qui as fait ci, c'est toi qui as fait ça. » Et par rapport au bol de toilette, mesdames, avec un moment donné, il faut passer par dessus. Il y a des femmes qui, tu sais, moi des fois j'ai des filles qui viennent parler là, ils sont comme oh my god, là, mon chum il laisse tout le temps, il y a plein de pipi, des chaussettes, je suis comme really? C'est ça ton seul problème? Parce que il y a des filles qui se font battre à tous les jours chez eux là, parce que le gars est pas capable de communiquer, il y a des problèmes dans au niveau de ses émotions, fait que là pour faire comprendre son point, il donne 3-4 soufflettes à la personne, tu comprends? Puis ça aussi c'est quelque chose d'autre que je voulais qu'on discute parce que pourquoi les femmes pensent que les hommes ne savent pas communiquer? Des fois, c'est au niveau de leur action. Exemple, il y en a que tu vas voir, au lieu de communiquer leurs besoins, ils vont aller dans la drogue, ils vont aller dans l'alcool, ils vont aller dans la violence psychologique et de la violence physique. Ça, c'est des choses qu'on va parler en long et en large. Tu sais, comme des gens qui utilisent ces moyens-là pour leur communication. Tu sais, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais pour l'aider? T'es avec une personne, ça fait 15 ans, puis là, elle refoule tout ce qu'elle a vécu avant. Parce que la personne n'a pas les outils nécessaires pour pouvoir parler. Donc, ça veut dire que la boîte à outils à la personne n'est pas assez remplie. Il faut lui donner des outils. Alors là, maintenant, c'est d'aller chercher les différentes instances alentour. Il y a des hommes j'écoute. Il y a plein des instances comme ressources, ça qu'on peut aller, des ressources qu'on peut aller chercher pour pouvoir aider ces hommes-là à avoir des outils pour pouvoir être capable de verbaliser leurs sentiments et non pas les vraies affaires. On va dire les vraies affaires, excuse-moi, Armand, au niveau de notre culture, tu sais comment que c'est. Fait qu'un homme va toujours avoir la difficulté à aller chercher de l'aide parce que c'est comme un peu mal vu de « Oh ouais, je vais aller voir un thérapeute. Oh, je vais aller dans un homme, j'écoute. Hein, yo, moi, je suis capable de régler mes affaires tout seul parce que c'est qu'est-ce qu'on les a conditionnés. » Fait que là, toi, en tant que femme, là, t'es à côté, puis t'es avec ton homme, puis tu dis « Ben, tu sais, on peut-tu aller voir quelqu'un? » Puis il dit non sans cesse. Puis là, le problème continue, mais là, ça fait 15 ans que t'es avec la personne, t'as une maison, t'es mariée, t'as des enfants. Qu'est-ce que tu fais à partir de là, la femme? Parce que c'est là qu'on devient folle, puis on est comme « Oh, tu peux-tu me parler? Qu'est-ce qui se passe? » Le gars, il parle pas, il boit, ou il dit « Oh, tu parles trop dans ma tête. »
qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que femme? Quelle position? Est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on reste? Et c'est difficile, ça. Non, c'est clairement difficile, sauf que, encore là, moi, je viens à quelle est ta valeur à toi au sein du couple? Tu comprends ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est ta valeur qui va faire que, ben là, maintenant, ça, c'est assez. Je ne peux plus accepter ce comportement-là chez toi. En n'acceptant pas ce comportement-là, vous allez favoriser le changement chez la personne. Parce que plus tu vas accepter le comportement, plus la personne va rester pareil. Pourquoi? Parce que la personne ne va jamais changer son comportement. Tu vas lui dire, écoute, là, la première fois, tu as commencé à crier. La deuxième fois, tu as commencé à lancer des chaises. Là, maintenant, ça ne passera pas. C'est quoi? La prochaine fois, tu vas tomber sur moi. Regarde, si tu n'es pas prêt à faire qu'est-ce qu'il y a à faire pour pouvoir changer la situation, mon cœur va être brisé, là. Mais on va devoir mettre fin à ça. Tu comprends? Puis pour ajouter à ce que Bob dit aussi, c'est que y a, dans la communication aussi, il faut. Il y a deux façons de voir aussi. Il y a lâcher prise, puis abandonner. Okay? Quand après 5, 10, 15 ans, okay, justement, le couple a encore le même problème, ça ne fonctionne pas et tout. À un moment donné, il faut que tu te poses la question ou il faut que tu te dises que okay, là, j'ai deux choix. Soit j'abandonne, soit je lâche prise. Ce que les gens confondent, okay, c'est abandonner et lâcher prise. Abandonner, c'est dès le début, tu pars. Tu donnes ton dos et tu cours. Sans avoir essayé. Exactement. Tandis que lâcher prise, après 5, 10, 15 ans d'essai, couple, maison, marié, ceci, cela, ça ne fonctionne pas. Mais tu n'as pas le choix de juste les go. Puis les go, ce n'est pas comme ça que, oh ben là, tu oublies le 15 ans, tu as fait. Non, c'est juste que. Écoute, je te masse, pour te laisser partir. Exactement, parce que présentement, t'es plus bien. Et si quelqu'un ne s'aime pas, okay, quelqu'un qui boit de l'alcool, quelqu'un qui n'est pas capable de verbaliser ses émotions ou quoi que ce soit, mais peut-être que la personne a un problème avec elle-même. Peut-être que la personne a un problème profondément avec elle-même qu'elle doit chercher à régler. Et si elle se néglige elle-même, cette personne-là se néglige, et tu ne dois pas qu'elle te néglige aussi. Elle se néglige elle-même. So, n'est pas d'attendre envers une personne qui n'est même pas capable de prendre soin d'elle-même. Si tu t'attends déjà à ce que cette personne-là te traite comme une reine avec tes valeurs et tout, maintenant ça ne fonctionne pas. Non, mais prends-toi premièrement comme une reine. Et puis après ça, la personne va te traiter comme une reine. Et deuxièmement aussi, c'est de traiter l'autre personne comme toi tu voudrais être traité. Tu comprends ce que je veux dire? C'est d'ouvrir cette porte-là. Moi, j'ai beaucoup de mes amis gars qui me parlent et qui me disent comme ça, écoute, ben, je me sens pas écouté, je sens pas que comme si... Des fois, je vais expliquer quelque chose à ma femme. On a un enfant, là maintenant ma femme, je lui dis, ah ben, il y a tel ou tel médicament, on pourrait le donner à l'enfant. Pour moi, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Son amie de fille va arriver, elle va dire exactement la même chose que j'ai dit. Elle va écouter son amie de fille. Elle dit, mais Bird, qu'est-ce que moi je dis, ça va pas. On ne respecte pas. On ne respecte pas. On ne respecte pas. Arrivé à un certain moment donné, tout ça aussi fait qu'arrivé à un moment donné, le gars, il se tait dans la maison. Tu comprends pourquoi? Parce que à chaque fois que comme si tu... On s'impose trop, peut-être, ça fait partie du contrôle de... Et en même temps aussi, mesdames, moi, je vous dis, c'est normal. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, on ne vous a pas écouté. Et là, maintenant, les femmes reprennent le pouvoir. Donc, il faut trouver une symbiose. Il faut se réadapter. Il faut un compromis. Il faut l'équilibre. Dans la communication, il y a compromis aussi. Il faut comprendre qu'il y a une partie de compromis aussi. Ouais. Parce que ce n'est pas seulement toi, mais tu es avec un autre aussi. Exact. De la même façon que tu disais, émetteur, récepteur, c'est la même chose aussi. Ouais. Et c'est important aussi. Si vous connaissez la personne avec qui vous êtes, excusez-moi. Oh non, c'est correct. Si vous reconnaissez la personne avec qui vous êtes, ben, vous êtes supposé savoir c'est quoi qui le fait monter et c'est quoi qui le fait descendre. Okay? Fait que ce soit avec ta femme ou avec ton homme, moi si je te connais, moi je vais aller en être ensemble, elle dira, ben, okay, je sais que si j'amène cette attention-là à la maison, même si elle est fâchée, elle va regarder un coin. C'est ça! Elle va aller chercher ce petit côté-là chez la personne, d'être capable de dealer. Okay, quand c'est chaud, de descendre la température. Oh, yes. Vraiment bien, ouais, on sait jamais, peut-être qu'il va y avoir un spécial, une petite capsule avec Bert qui va sortir dans la semaine, je sais bien pas, chaud, ça dépend. De toute façon, regarde, c'est moi qui crée des affaires, donc si ça me tente de mettre une capsule mercredi, on la met. On sait jamais, parce que c'est très important qu'est-ce qu'on dit, parce que c'est pour les prochaines générations. C'est pour nous, nos enfants, moi j'ai un petit garçon, hein. Il faut que je l'apprenne à communiquer, il faut que je l'apprenne à s'exprimer, à respecter les femmes. Donc à partir de là, je vous dis merci beaucoup, merci à Bert d'être venu. Merci Bert, tu es toujours le bienvenu avec nous. Vous savez où aller, la table des femmes, Facebook, Instagram, YouTube channel. Ok, on a aussi un email qui est JL Production. Production JL, oui. À commercial,
gmail.com. Voilà, c'est ça qu'on a une équipe, ok, on se complète. Mais c'est ça qui arrive quand on veut prendre la place de l'animation pendant 30 secondes. On sait, on voit les deux. Bon travail, les gars.